Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie Poujade et je suis présidente du club de gymnastique de la Vaillante de Langon. Bonjour, je m'appelle Caron Nègre et je suis entraîneur de la Vaillante de Langon. Aujourd'hui, on est venu sur le gala de Tonneins, donc avec nos gymnastes de la Vaillante de Langon. Donc nous sommes un club de gymnastique féminine. Nous avons cette année 300 licenciés qui font de la gym donc aux agrès, des tout petits, des grands. Et à partir de l'année prochaine, on va ouvrir une section team gym, de la gymnastique aussi pour les adultes. Le niveau au niveau compétition, donc on a fait de nombreux titres au niveau national. Cette année, on était surtout engagé en interrégional, en division régionale, et notre entraîneur Carole présentera ses résultats qui ont été très bons cette année, puisque en plus c'est ma deuxième année de mandat. Donc pour moi, je suis très fière de pouvoir avoir réussi, avoir obtenu des résultats aussi bien avec une équipe d'encadrement aussi professionnelle. Et des bénévoles, parce que bien sûr, on fonctionne surtout avec des bénévoles et des bénévoles aussi dynamiques. On est venu aujourd'hui à Tonneins pour le gala avec notre club de gymnastique, où je suis présidente depuis maintenant 2 ans. Nous sommes un club de gymnastique surtout féminine. Nous accueillons les enfants de 2 ans jusqu'aux adultes. Nous sommes 300 licenciés. Et notre objectif, donc nous sommes engagés sur la Fédération française de gymnastique. Notre objectif, donc, c'est d'avoir, on a plus de 200 enfants qui pratiquent en loisirs et on a un groupe de compétition qui œuvre du niveau régional au niveau interrégional. Et depuis, alors c'est un club qui a plus de 100 ans. Et sur 100 ans, nous avons eu de nombreux titres de champion de France sur différentes catégories. Je suis Carole, entraîneur au club de la Vaillante. À mes côtés, j'ai Marine Ménère qui entraîne avec moi tous les jours, plus une danseuse professionnelle qui vient pour les cours de chorégraphie au niveau des gyms de compétition, avec 4 bénévoles qui sont là aussi sur différents groupes de gym loisirs toute la semaine. Pour cette année, nous avons engagé 2 équipes au niveau critérium national, plus une équipe en division régionale et une équipe en division régionale espoir. Donc au cours de cette année, tout s'est bien passé puisque les 2 équipes Critérium se sont qualifiées pour la finale d'interrégionale où une équipe a fait 6e. Donc bon, pour l'autre, malheureusement, il a fallu faire forfait. Ensuite, au niveau des DR, elles ont gagné le championnat départemental, le championnat régional et elles ont gagné la finale division régionale. Avec tout ceci, un classement individuel où il y a eu à peu près les 2 finales ont été gagnées en individuel plus quelques podiums tout au long de la saison. Cette année, nous avons été championnes d'Aquitaine 2 fois par équipe et une équipe 6e au final d'interrégional. So get on the wall.